Bon, voilà, nous voilà rendus dans le deuxième étang de la forge. Bon, quelquefois, si je baisse la caméra, les amis, c'est normal, puisque ben, je ne souhaite pas non plus qu'il y ait de figurants, ce qui est totalement normal. Respect de la vie privée quand même, hein. Regardez, les deux cygnes sont là-bas. Ça, c'est chouette. D'ailleurs, je pense bientôt faire une session carpe ici, comme je le fus il y a quelques années. J'aimais bien ici, à la carpe. Il y a un peu d'herbe là, au bord. Pense que j'allais un peu plus loin. D'ailleurs, par ici, ben, qu'il y a maintenant ben, près de 2 ans, hop, je pose mon épuisette. Il y a près de 2 ans que j'ai fait carpe de 12,5 kg. Vous vous rappelez, j'allais avoir dans les vidéos, belle commune de 12,5 kg. Par une belle matinée, c'était juste avant le confinement d'ailleurs. Pas mal d'herbiers, hein. Bien évidemment. Effectivement, c'est dur, dur à pêcher dans ces herbiers. C'est bon. Bon, il y avait longtemps une herbe. Allez, on va tenter un peu plus loin, peut-être aura-t-il un peu moins d'herbe. Par contre, il y a un truc qui attire mon attention. Bon, quand on voit ça, les vents, franchement,
j'essaye de trouver un endroit où la possibilité de faire de beaux lancers sans être trop embêté par l'air, les herbiers, ce serait chouette. Je pense ici, durant cet été, si encore des nappes d'herbe, et que lorsqu'il y a des chasses en surface, c'est de venir faire en vidéo une ou deux sessions au jig. Vous allez voir, en jig de surface, c'est extra aussi ça. Bien trouver un coin un peu plus clean sans herbier. Ce serait top. Regardez le poisson là. Regardez, vous voyez? Il y a une tanche là. Juste là. Vous la voyez? Elle est partie. Ça, par contre, étant donné que ça ne veut pas une figurante non plus. Petite marche arrière. Qu'est-ce que j'ai pu en remettre à l'eau ici comme brochet dans cet étang? Waouh! Beaucoup d'herbiers, hein. Forcément. Bon, allez, j'ai coupé la caméra. Et puis on se rejoint dès que ça part. Ciao les amis!